partez avant que l'heure ne sonne. Ménagez vos montures pour affronter ce voyage, car il existe réellement et est sans tour et est plus pénible que la traversée du désert. Choisissez le peu de bagages que possible, car ils ne feront que vous retarder dans ce voyage angoissant et périlleux, où seule la foi sincère peut vous aider. Vos comptes bancaires toujours pleins à craquer, vos nombreuses femmes toutes pulpeuses, vos nombreuses voitures toutes immaculées ne vous serviront rien le jour du compte. Rien que vous retardez, ils ne feront, car seules les bonnes œuvres seront garantes de votre salut sur cette terre étrangère. C'est Ousseynou Ndion, je suis instituteur à l'école élémentaire Elas Bobakar Ndiaye, qui se trouve dans le quartier Silmo et dans la circonscription de Thiès-Ville, l'IEF de Thiès-Ville, instruction d'éducation et de la formation de Thiès-Ville. Oui, j'ai été inspiré principalement par un oncle qui a été professeur de lettres classiques. Et depuis que j'ai eu contact avec lui, j'ai toujours eu envie d'écrire pour au moins léguer quelque chose à la postérité, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand on se dit intellectuel, nous devons au moins laisser quelque chose à la postérité et participer aussi au débat intellectuel et culturel pour pouvoir donc, comme on le dit dans notre jargon, participer à chasser l'ignorance. Et c'est parmi les principaux points qui m'ont poussé aujourd'hui donc à écrire et se recueillir les âmes secrètes et mon premier recueil de poèmes. Et je crois que dans l'avenir, il y a d'autres productions qui vont suivre. Dans le recueil, plusieurs thèmes ont été développés, notamment l'amour. Il y a le thème aussi de l'éducation. Il y a un thème sur la dépigmentation, sur la mort aussi principalement. Et comme je l'ai dit dans le résumé, les âmes secrètes, donc, qui nous essaie de nous décrire les contours de l'âme tout au long de son pérégrination. Parce que nous savons que quand quelqu'un meurt, son âme quitte et intègre donc une autre vie. Et que même dans la religion musulmane, on dit quand quelqu'un meurt, il est dans un monde intermédiaire qu'on appelle Barzakh, et que l'âme continuerait de vivre selon, en tout cas, les résultats que l'individu ou bien la personne aurait eu à récolter. S'il est, par exemple, promis que la personne doit aller au paradis, cette âme commence à savourer des délices du paradis, mais de façon peut-être virtuelle, si on peut le dire entre parenthèses, et le contraire, s'il est destiné à l'enfer, à subir les affres donc de l'enfer. Et c'est pourquoi on s'est posé dans le recueil la question de savoir, est-ce que cette même âme qui était vivante aujourd'hui que l'individu est mort, elle est toujours la même âme? Et la question de la mort aussi est revenue dans l'œuvre, parce que nous savons qu'aujourd'hui cette angoisse existentielle qu'est la mort n'a pas encore trouvé de solution, et nous croyons qu'on ne trouvera jamais de solution. Parce que, comme on le dit dans l'adage, la vie même est une maladie mortelle. Nous sommes tous destinés à la mort. Donc, c'est entre autres, en tout cas, des sujets que nous avons, des thèmes que nous avons eu à développer tout au long de l'œuvre. Et je crois que les lecteurs pourront, en tout cas, essayer de voir par eux-mêmes l'essentiel du contenu, mais plusieurs thèmes vraiment ont été développés.